Voilà, bonjour à tous, c'est Asgard. On se retrouve pour un nouveau numéro, pardon, de Railway Empire. Et donc voilà, j'ai bien fait de pas toucher dans le précédent épisode. J'ai bien fait de pas toucher au train qui buguait à Mexico City, qui faisait que tous les trains étaient en attente, parce qu'effectivement j'ai eu un problème en allant toucher au train hors vidéo. J'ai dû le supprimer avec voilà, j'ai dû le supprimer avec le bulldozer. Voilà, et ça a bien fonctionné. Maintenant, c'est pas dit que tout est réglé au fait, parce que je vois ici on quand même encore pas mal de trains qui sont ici en attente, et notamment celui-là, donc on va le supprimer en direct. Voilà, je pense que ça va relancer un peu. J'espère, voilà, ça va relancer les trains. C'est pas évident, 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 évident. Quand ils font des patchs et des mises à jour, il y a quand même pas mal de trains qui bloque dans certaines gares. Voilà, alors voilà, tout va se relancer petit à petit, je pense, au fur et à mesure. Voilà quoi. Voilà, tout va se relancer petit à petit au fur et à mesure. Voilà, je sais pas quel train j'ai supprimé. De toute façon, enfin voilà, tout fonctionne bien. J'ai pas très très peur. Petit à petit, je vois que les trains se remettent à rouler. On verra bien, voilà. Mais certains trains sont buggés, hein, quand ils font des mises à jour. Alors je devrais jouer un peu plus vite, hein, entre chaque DLC, mais voilà, j'ai pas spécialement le temps. Alors avant de repartir sur nos poissons et nos conserves, ceci étant dit, donc avant de repartir sur nos poissons et nos conserves, on va essayer de dépenser ces 200 points. On va acheter cette nouvelle locomotive. On va aller regarder ici. Puissance de traction 126, vitesse 82 km/h. Ok, on a un chauffeur qui vient de débarquer. Bah écoutez, on va le mettre en route. Je préfère toujours mettre ça sur des trains de passagers. Vous le savez, bah voilà. Ah non, ici, il manque un ingénieur. Voilà, ici, il y a un chauffeur. Ici, il n'y en a pas. Voilà, et on en a encore un. Ouais, j'ai vu qu'on en avait encore un, donc on peut sûrement mettre un chauffeur, et on a un ingénieur en plus. Voilà, en plus ils s'entendent bien. C'est parfait. Ok, nickel. Alors, notre objectif, maintenant, on va développer. Ouais, on va continuer à développer un petit peu nos gares, parce qu'il va falloir transporter assez vite quand même du poisson et de chargements de conserve par semaine. Alors, je m'étais dit, hein, j'aurais pu supprimer des entreprises qui existaient déjà, au fait. Je ne sais pas si ça peut se faire, ça. Mais que j'avais construit dans d'autres villes. Mais voilà, je préfère développer ici de ce côté-là. On va se donner ce petit challenge. Acapulco a déjà un niveau qui est plus élevé, donc ça c'est cool. Donc Acapulco, elle est passée à 60 000. Moi j'attends de passer à 40 000 dans les autres villes. On a un clear commercial, on a un gardien aussi. Waouh, il y a plein de choses. Donc on va engager le clear commercial. On va engager un gardien, mais je sais pas où l'engager. Oh là là là. Ça, c'est l'express. Ici, il y a déjà un gardien. Voilà, ici, il n'y a pas de gardien. Allez, hop. Ah non. Ah, ça, je déteste quand ils ne s'entendent pas, je peux vous assurer. Alors, écoute, on va mettre un gardien tout seul. Ici. Voilà. Ça marche tellement bien que j'ai de l'argent partout, au fait. Ok. Alors, l'entrepôt, comment ça se passe? Ok, ça s'accumule quand même pas mal, hein. Ça s'accumule pas mal, et à un moment, on peut pas. Ah, le chef Sitting Bull, célèbre chef de tribu, a été arrêté. Célèbre chef de tribu est arrêté, ok. Bon, je fais pas grand-chose là, mais je vous avoue que. Alors, on va essayer de développer au niveau marchandises Hermosillo. Alors, pareil pour Hermosillo. De quoi est-ce qu'ils ont besoin? De bois. Et de blé. Bon, je suis sûr que le blé, on peut l'amener par ici. Et le bois, on peut l'amener comme ça.
Voilà, on va essayer de faire en sorte de faire ça. On va mettre pause. Comme ça, on aura un peu tout débloqué. On va mettre une petite gare ici. Je pense que ça s'annonce assez simple. On va faire ça comme ça. J'espère que ça va marcher. Ça doit pas être très compliqué quand même. Elle est trop proche, hein. Elle est trop proche. Ouais. On va d'abord essayer de faire sortir ceci, au fait. Voilà. Voilà. Alors peut-être pas comme ça. Voilà, on va étendre ça comme ça et on va mettre une petite gare ici. Voilà. Alors je sais pas si mettre deux trains, c'est Hermosillo, on va essayer de le faire si ça marche, mais. Là, ça marche pas en tout cas. Et là, ça marche. Ok, bah écoute, on va essayer de le faire alors. Voilà. On va essayer de construire une tour d'assemblage ici. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Et on va mettre ici. Ceci, on va l'acheter. Et lui, je pense que si on l'augmente de 2. Largement suffisant. Ok. Et plus 9,6 par semaine. Ok. Alors on va le faire. Hop. On va mettre la locomotive, on va mettre notre nouvelle locomotive. 138%, c'est parfait. Et voilà, comme ça, Hermosillo aura le blé. Le train attend qu'une voie se libère. On a encore un train bloqué ici. Ouais, mais c'est le café, donc ça ne m'inquiète pas trop. On a une panne pour mauvais état ici. Ok, mais ça va. Ça va, ça va, ça va. Je ne m'inquiète pas trop. Donc, je reviens ici parce que il faut que j'en mette un deuxième là. Allez, clone-le vite. Il y a un ingénieur qu'on va pouvoir mettre sur l'express. Je pense qu'il manque un ingénieur sur l'express. Tuk 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 tuk. Ouais, il manquait un ingénieur ici. Ah bah il est dominant, il est ingénieur dominant, franchement. Comme ça fait bizarre, mais les ingénieurs dominants, franchement, ça ne marche jamais. Allez, on va pouvoir le mettre ici. Voilà, comme ça au moins on aura un ingénieur quelque part. C'est nickel. Ok, alors il y a plein de bonus de connexion en gauche à droite. Je vais pas aller les chercher, j'ai pas besoin d'argent. Tiens, c'est bizarre, il n'a rien pris. Ouais, donc allez, on va l'augmenter à fond. Bizarre, ils n'ont rien amené. Peut-être qu'ils n'en ont pas assez besoin. Qu'ils en ont peut-être trop. Hein. Que les villes peuvent pas en accueillir à outrance. Alors ici, il y a déjà un conducteur. Ici, il n'y en a pas. Voilà. Allez, on place des conducteurs. Oh, chacun niveau plus élevé. C'est très bien ça. Sauf que. C'est plus
plutôt envie que ça aille un peu ailleurs. Hein. J'ai plutôt envie que ça soit à Culiacán. Allez, bientôt on pourra construire une conserverie à Culiacán, je pense. Ouais. Et mettre en route le poisson ici. Alors, on va mettre en route le bois. Par contre, le bois, on va le mettre en route. Non, le bétail à Campeche, j'ai pas envie d'acheter, donc je n'achète pas. Alors, on va mettre une gare ici comme ceci. Va essayer de faire venir ça ici. Waouh! Ah, s'il le fait, c'est que c'est le meilleur trajet. Ça fait un détour énorme, mais ça fait des belles courbes. Moi, j'ai simplement envie que ça suive le trajet actuel, enfin. Voilà, quelque chose comme ça. C'est parfait, c'est considéré comme des voies en double ou pas ça? Pas totalement. Lol. Non, ça m'énerve. 1756% de côte. Lol. Voilà. Là, c'est bon ou pas? Voilà, on peut faire ça comme ça. C'est nickel, c'est parfait. Enfin, c'est parfait, non. Je pense pas que ça soit parfait. Alors, encore une entreprise qu'on va acquérir. Ah, je deviens vraiment un grand capitaliste dans ce jeu, c'est ouf. En même temps, c'est logique. Voilà. Un grand trajet hein, pour du bois. Ah bah, écoutez, c'est comme ça. Si on va mettre un comme ça. Voilà, on va mettre également des tours d'assemblage. Ici et ici. Et ici, on va placer un bâtiment comme ceci. Et on va acheter ça. Hop, 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 hop. Voilà, ça c'est acheté. On va construire une ligne ici jusque-là. Je vais mettre bah, celle-là. C'est assez sympa et c'est parti comme ça. Voilà. Alors, Culiacán. Allez, 33 000. On va y arriver, hein. Je vous assure. Il prend pas de marchandises parce que j'imagine qu'ils en ont trop à Hermosillo. Hein. Si on regarde, ouais. Ils en ont beaucoup trop. C'est pas grave, hein. Quand ils grandiront. Dès qu'il sera sorti du tunnel, j'en mettrai un autre. Ouais, c'est clairement, on peut pas en prendre trop parce que si on en prend trop, c'est plus possible. Allez, hop. Je clone. Y avait le cacao. Ils ont besoin de cacao ici, à Culiacán. C'est là que j'aimerais bien aussi aller en mettre. Ouais, ils en ont besoin. Et si même ils ont trop. Ils ont trop de marchandises. Alors, on peut encore. On a encore 200 points, là je sais pas ce que je vais pouvoir acheter. Réduit les coûts de construction de bâtiments ferroviaires, tout ça, ok cool. C'est parfait. Allez, on va encore cloner une fois.
particulière commerciale pour le confort. Où est-ce que j'en suis au niveau de nombre de passagers dans les villes? 826 000. Je pense que ça, on va y arriver petit à petit, on va bien y arriver. Alors, les pommes et tout ça, là, les fruits. Ouais, je sais pas trop, hein. Donc le blé, ils en ont assez, ils sont à 100%. Il y a le cacao ici, hein. Cacao qu'on va pouvoir envoyer un peu partout. Ça serait bien de l'envoyer le cacao, ben, partout en fait. Donc on va mettre une grande gare de cacao. Je sais pas comment on va faire. On va partir en mode balèque, pardon. Donc hop là. Ah, maintenant franchement j'ai tout. On pourra même faire avec des fruits. Allez, franchement c'est parfait. Alors ici. Ce serait bien, c'est d'arriver ici. J'ai pas envie de me casser la tête. Ici, on a du 16%. Ça va pas. Je sais pas comment on peut. Plus on va agrandir ça, on aura du 12%. Un peu beaucoup, non? Et si on construisait une nouvelle gare? On va essayer de construire une nouvelle gare. Je sais pas si c'est possible, ça. Je préfère, à la limite, je préfère. Je me dis, voilà, allez, on n'y est pas arrivé d'un côté. On va tenter d'y arriver de l'autre, rien que pour l'accès à cette ferme. Voilà, ça c'est mieux. Construisons une nouvelle gare ici, comme ça sera fait. Voilà. C'est nickel et je vais même pouvoir faire ça, je pense. Ça c'est ouf quand même. Hey! Et même pouvoir mettre les signaux, je pense. C'est marrant ça, je peux le mettre d'un côté et pas de l'autre. Allez, ok. Voilà. C'est parfait, on va pouvoir mettre deux trains. À la fois pour le cacao et pour le reste. Tour d'assemblage, c'est parti. Voilà. Alors ici, hop. Enfin non, deux trains pour juste pour le cacao. Parfois je raconte n'importe quoi. On construit un bâtiment de maintenance, c'est fait. Et le cacao ici. Rajouter une locomotive, celle qui va là, comme ça c'est parfait. Et on y va, on va juste renommer la gare ici à Kulikan. On va mettre Kulikan 2, on va mettre Kulikan Nord, non Sud. Voilà. Et on va lui mettre aussi ceci. C'est parfait. Jolie locomotive, hein. On va cloner. Alors, on va acheter l'entreprise. On va la faire grandir. On a largement de quoi la faire grandir parce qu'elle va quand même desservir. Ouais, il faut pas plus de trains. Avec deux, ça sera très bien. Et au niveau de la ville. Ah, je suis presque à 40 000, ça c'est cool. C'est parfait. Il faut aussi amener. Alors peut-être pas à eux. Bon écoute, on peut le faire. Hein. Il suffit simplement de mettre un train ici. Je voulais peut-être pas à eux, mais autant le faire. Écoute, c'est parfait comme ça. Hop, on met une tour d'assemblage.
Ça a marché à un moment, ça a marché. Voilà. Et on construit une ligne ici et là. Automatique, ajouter une locomotive. Hop là. Alors il y a un chauffeur qu'on peut mettre. Niveau plus élevé à Matsatlan. Ça c'est parfait. Et on va peut-être pouvoir mettre alors ici de quoi travailler les fruits. Qu'est-ce qui produit des conserves? Ah, c'est l'acier aussi. Ah mince alors. Mince, 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 mince. C'est l'acier aussi. Ok, donc ça veut dire qu'il va falloir que je prévoie tout l'acier. Ouh. Ils ont du bois aussi? Allez, fabrique de meubles. Non, 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 non. On a un niveau plus élevé, mais il va falloir faire de l'acier. Et l'acier, on fait ça comment? Oh là là, ça va être compliqué. Ok, il faut du charbon. Ah oui, donc les conserves, il me faut de l'acier. Ça change tout. Charbon, j'en ai ici. Ah oui. Mais où est-ce que j'ai comme marchandise du fer? C'est par là. Et c'est super loin. Et merde. Ok, c'est ça la difficulté ici, c'est que tout le fer. Là, le fer se trouve ici et le charbon. Ouais, le charbon se trouve par là. Et ouais. Pas grave. On va faire de l'acier ici. On va produire de l'acier ici. Je vais créer une aciérie ici. Je vais regarder. Ah, il y a déjà un endroit où on produit de l'acier? À Oaxaca? Et ça marche? Ouais, non, c'est pas grave. Ok, mais c'est pas très grave. L'acier va se produire ici. Voilà. C'est finalement assez bien. Voilà. Et on a l'argent pour le faire. On va mettre une autre grande gare ici. J'ai mal placé mon aciérie, mais c'est pas grave. On va appeler cette gare Mazatlan Acier. Et on va aller chercher du charbon ici. Et du fer là-bas. Je vais juste regarder avec certitude. Qui est pas de souci. Au niveau des marchandises, au niveau du fer, est-ce qu'il y en a ailleurs? Non, le plus simple c'est là. Ok. Une mine de charbon pour du fer, c'est bizarre hein, ça. C'est loin, hein? Ok. Alors, tout ça va maintenant être. J'ai mal placé mon aciérie. Est-ce que je peux la bouger de place ou pas?
Je vais la supprimer. Sais pas si j'ai été remboursé, mais je vais la placer ailleurs. Il y a quand même plus de micro-gestion qu'il n'y paraît. Hein. Voilà, comme ça ici, ça ira, je pense, un peu mieux. Ça va super loin. Là, c'est quand même du 14%. Là, c'est quand même du 15%. Franchement, je me pose comme question si ça serait pas plus simple d'aller par ici. Faisons ceci. Voilà. Pas besoin de passer ici. Ça va être bizarre hein, comme ligne. Alors, c'est vrai que l'esthétique c'est important. Demande si. Essaye. Voilà, ici on a du 4 et du 2 et du 4 ici. Ok, ça fait 2 millions 3. Heureusement qu'on a l'argent. Et tout ça, rien. Rien que pour apporter ici. Parce qu'il va falloir ensuite l'acier quand même l'apporter. Chaque endroit où je veux des. Ouais. Donc. Autant libérer un maximum la gare. Est-ce que ça suit? Ça suit le trajet, c'est parfait. Ok, donc. C'est nickel. Sauf ça. Ok. Alors ici, on va mettre ceci. On va mettre tous les signaux. C'est parfait. It's perfect. Et par contre, des trains, on va en mettre beaucoup. Il va falloir vraiment faire en sorte que toute cette industrie prospère. Et prospère bien. Et c'est pas mal, hein? Franchement, c'est pas mal. Parce que transporter le poisson, ça va être cool, mais je m'attendais pas à l'acier, au fait. Mais en même temps, les boîtes de conserve, Asgard, tu veux qu'elles se fassent avec quoi? Ça, c'est vrai, j'avoue que c'est pas très intelligent de ma part. Va falloir mettre des tours d'assemblage sur le trajet. Ça va être énorme, hein. Donc ça, c'est fait. Mais quelle zone, hein? C'est fou ça. Il va falloir faire, et heureusement que j'ai construit une nouvelle gare ici.
Il va falloir relier ceci et ici parce que c'est bien à Kouliachan qu'on va mettre le poisson. Finalement, c'est à se demander si ce que j'ai fait va servir à quelque chose, quoi. Au niveau du poisson ailleurs, je pense que oui. Voilà, parce que la Syrie, on va continuer de Kouliachan. Jusqu'à Hermosillo. Bon, ici en tout cas, je construis déjà ceci, comme ça c'est fait. Voilà. Ok. Et alors je vais construire la tour d'assemblage. Ben ici, j'ai pas trop le choix. Et je vais mettre des signaux. Comme ça. Waouh, mais il y a trop de trucs là. Ça scintille dans ma tête. Lol. Voilà. Ok. Et alors maintenant? On va essayer de mettre ici également une gare. Dans le prochain numéro, il va falloir gérer tout ce qui est acier. Franchement, l'argent, ça va. Et quel entrepôt que je pourrais utiliser aussi? Je réfléchissais, mais pourquoi? Mais il va falloir envoyer aussi à Guadalajara de l'acier. Donc franchement, autant. Par contre, ceci, on va le mettre ici en haut. Je préfère. Voilà. Est-ce que ça marche? Ça marche à merveille. Il va juste falloir faire ceci. Doubler. Hop. Hop. Et les signaux. Puis il va falloir acheter les différentes infrastructures. Augmenter la scierie. Et ça va pas être simple, hein, ça non plus. Pas de tour d'assemblage ici, il me semble que oui. Voilà. Et bâtiment de maintenance ici et dans cette gare-là. Bâtiment de maintenance aussi. Ok. Donc on va pouvoir construire une ligne. On va en faire une première, hein, qui fait ceci jusque-là. Je pense que celle à 86 km/h, celle qui convient le mieux. Voilà, on va mettre un chauffeur là-dessus. Et on va construire une autre ligne entre la mine de charbon et ici. On aurait dû mettre le chauffeur sur l'autre, mais c'est pas très grave. Ok. Alors, pendant ce temps-là, on va acheter la mine de charbon. Ouais, il y a plein de gares partout. J'augmente mon réseau ferroviaire, je sais. On va l'augmenter d'un niveau. C'est parfait. On va voir l'acierie ici. On va l'augmenter également. Enfin, la sidérurgie. Voilà.
On va aller acheter ceci. Ça coûte cher, hein. On va l'augmenter également. Voilà. Et on va cloner ce train. Mettre un gardien dessus. Ça aidera à surveiller les marchandises. On va cloner ce train. Voilà. L'objectif va d'abord être d'améliorer l'aciérie un maximum. Enfin, la sidérurgie ici. Donc, voilà. Que ça soit au max et qu'on ait assez d'acier. Je pense que ça sera vraiment le principal. Ah ouais, notre premier train. Notre premier train, il est là. Voilà. Écoute, la canne niveau plus élevé. On va augmenter ici. Ah ouais, il faut absolument augmenter. Faut qu'il y en ait assez. 1 500 000, ça sera sympa. Va laisser passer un peu de temps. Voilà, pour que les trains vraiment se baladent bien. Oula, je suis déjà à 37 minutes de vidéo. On va pas trop tarder à arrêter. Faudrait que j'arrive à mettre un conducteur quelque part. Ah, c'est prenant, hein, quand on a plein de projets en tête comme ça. Je vous assure, c'est prenant. Là, on a un ingénieur. Je vais revenir ici parce que je veux pas encore l'améliorer celle-là. Ouais, ici, elles sont améliorées au niveau 3. Il lui manque juste, ouais, il lui manque juste du fer. Hein. Le charbon, franchement, ça va. Mais évidemment, il va manquer du fer. On va recloner le train. Donc, il y en ait toujours. Il faut vraiment qu'il y en ait assez. Et ça c'est bien, ça se développe pas mal, donc l'acier va se mettre en route. Alors on va regarder un petit peu, on va mettre pause, on va regarder un petit peu ce qu'on va devoir faire dans le prochain épisode. Ok, donc l'aciérie, ça franchement ça va produire pas mal d'acier, c'est déjà bien en route. Ça c'est bon. Est-ce que la mine de fer... Est-ce qu'on va devoir l'augmenter? On va essayer d'augmenter un petit peu. Voilà, donc il va falloir développer plutôt ici la mine de charbon. Donc l'épisode 46, il va falloir développer la mine de charbon au niveau finance. Et peut-être rajouter, je sais pas combien de trains il y a ici. Il y en a 3. Franchement, c'est bon. Donc plus 0 train. Voilà, comme ça je mets. Au niveau de la mine de fer, au niveau de la mine de fer, voilà, c'est ça qui m'induit en erreur. La mine de charbon est niveau 5. Ok, mais on peut rajouter 3-4 trains au fer. Voilà, ça sera pas mal. Et donc comme ça, l'acier sera disponible. Et ça, donc ça sera cool. On a développé ici à Kouliassan, on va pouvoir mettre les conserves et le poisson. Voilà. Ça coûte combien? Pourquoi est-ce que je peux pas le faire? C'est une recherche.
Tiens, pourquoi est-ce que c'est bloqué? Je suis en train de me poser la question si c'est pas parce que la série doit être construite dans la même ville. C'est bizarre, je peux pas construire. Ça, c'est embêtant, ça. Ça, c'est plutôt très très embêtant. Je veux pas construire de conserverie ici. Parce que c'est des entreprises d'un niveau supérieur, je pense peut-être. On va aller regarder à Acapulco, où je pense, là, je... Non, niveau 5, je peux pas encore. Est-ce qu'il y a une entreprise... Est-ce qu'il y a quelque part une zone où j'aurais de quoi construire? Tiens, c'est bizarre que je puisse pas encore le faire, hein. Et là, ça commence à m'embêter parce que c'est à la fin de cette année 82 que je dois ouais, transporter sans chargement de poisson. Ça va être embêtant, ça. Ça va être embêtant si je peux pas le faire à Culiacán. Où ça? Finalement, c'est à Culiacán que je vais pouvoir le... Je réfléchis, hein. Oui, on est bien d'accord que c'est ici. Ah, ça s'est construit tout seul. Propriété privée. Ok, donc j'ai traîné, donc je peux plus rien acheter. C'est assez fou ça. Waouh. Et je peux pas la racheter, je peux rien faire avec ça. Si, je peux racheter ici. Ok, donc il y a des commerces que je peux racheter. Et que je pourrais donc supprimer. Ok, bon. Écoutez, on va voir ça. Mais donc, ça sera urgent concernant le poisson. Voilà, il y aura une urgence concernant le poisson. Parce que c'est à la fin de l'année 82 que je devrais avoir transporté 100... 100 poissons. Et donc ça, je pense qu'on va le faire assez vite. Hein. Ça, je pense qu'on va le faire assez vite. Racheter des entreprises, les supprimer, mettre du poisson. Oui, mais c'est par exemple... ça m'intrigue trop. Ça m'intrigue trop. Faut que je le fasse. Je vais supprimer ça. Ça sert absolument à rien. Voilà. Pourquoi je peux pas construire ça? C'est très très embêtant, hein? Vous en conviendrez. Mais... Oui, le poisson, c'est à partir de 90 000 citoyens. Donc je dois vraiment atteindre 90 000 citoyens dans certaines villes pour y arriver, quoi. Mais ça va pas être possible. Ça va pas se faire tout de suite. Avant la fin de l'année 82. Franchement, je veux pas être optimiste. Mais je crois qu'il va falloir que je développe le poisson, j'aurai de l'argent. J'ai du poisson ici. On a une aciérie ici. Ils sont à 90 000. Si j'enlève ma distillerie ici. Mais je peux pas, hein. Je peux pas encore. Eh bien ça, je comprends pas pourquoi.
Écoutez, je vais essayer de me dépatouiller. Je vais essayer de me dépatouiller. On va y arriver, hein. Je ne m'inquiète pas trop. Enfin, si, je m'inquiète un petit peu parce que tous mes plans tombent à l'eau, en fait. Tous mes plans tombent à l'eau et ça, moi, j'aime pas trop. Donc, écoutez, je vais me renseigner. Voilà, on va bien se renseigner. Et voilà. Donc voilà, cette vidéo était un peu longue, mais en tout cas, on aura de l'acier à Mazatlan. Il suffit juste de trouver un moyen de construire ces fameuses conserveries. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.